D'ailleurs, on a lu dans Jean chapitre 4 et au verset 7 que Jésus était fatigué, il était au bord du puits, il était midi, et j'ai parlé de la façon dont Jésus s'est abaissé et il a partagé notre humanité, il a partagé nos faiblesses, et en allant jusqu'à la croix, en s'humiliant jusqu'à la croix, en donnant sa vie complètement, il nous a acquis la possibilité de vivre non seulement dans la chair mais dans l'esprit et d'être fortifié. Et lorsque Jésus est assis au bord de ce puits, fatigué du voyage, il y a une femme qui va s'approcher, une samaritaine, et vous savez, les juifs n'avaient pas de relation avec les samaritains. C'était pour eux un peuple qu'ils méprisaient, ils étaient racistes par rapport à ce peuple, parce que ce n'étaient pas des gens qui marchaient avec Dieu pour eux. Et Jésus va être assis, cette femme s'approche, cette samaritaine, et Jésus va lui demander, donne-moi à boire, j'ai soif. Et là, la femme va commencer à parler avec Jésus et va lui dire, oh, mais toi, tu es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Et ça va un peu la toucher, lui faire poser des questions, pourquoi un homme va dépasser la culture, pourquoi cet homme fait quelque chose qui ne se fait pas, il s'adresse à moi qui suis samaritaine alors que lui, il est juif. Et alors Jésus va lui parler d'une eau extraordinaire. Une eau qui, lorsqu'on la boit, est jaillie de nos cœurs jusque dans la vie éternelle. Une eau qui est bien sûr un symbole de la présence de l'Esprit de Dieu qui vient dans le cœur d'un homme, qui ouvre son cœur à Dieu. Et lorsqu'un homme ouvre son cœur à Dieu et à Jésus-Christ, alors Dieu vient habiter dans son cœur par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, cette présence divine devient une réalité. Dieu veut que ce soit une réalité quotidienne pour nous, qu'on puisse expérimenter la présence de Dieu au quotidien. Et la femme va lui dire, mais après que Jésus lui propose de boire de cette eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, elle va dire, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Et bref, ils vont commencer à parler. Cette femme, en fait, est dans une position d'attaque devant Jésus qui lui parle. Parce que cette femme est blessée. Parce que cette femme est méprisée. Et parce que cette femme est méprisée, elle est dans une position, elle se met dans une position d'attaque par rapport à Jésus. Mais quand Jésus commence à lui parler de cette eau vive, elle commence à ouvrir son cœur. Et quand cette femme va commencer à ouvrir son cœur, et qu'elle va désirer vivre cette présence de Dieu, elle va désirer boire de cette eau qui va jaillir en elle jusque dans la vie éternelle, Jésus va commencer à lui parler de sa situation. Et il va lui demander, est-ce que tu peux appeler ton mari? Et cette femme, elle sait très bien que l'homme avec qui elle vit en ce moment, avec qui elle a des relations, cet homme-là n'est pas son mari. Et alors Jésus va lui dire, oui, c'est vrai, l'homme que tu as là n'est pas ton mari. Et il va lui dire, tu as raison de dire que ce n'est pas ton mari, que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et alors la femme va dire, mais voilà, je vois que tu es prophète. Et va continuer de parler avec Jésus. Mais quand Jésus va parler de son mari, le cœur de cette femme va tout à coup se renfermer, parce qu'en fait, elle se sent jugée par Jésus. Elle ouvre son cœur à la présence de Jésus. Elle ouvre son cœur à Jésus-Christ parce que Jésus lui propose une eau vive, de la vie qui va jaillir de son cœur jusque dans la vie éternelle. Mais lorsque Jésus commence à lui demander, mais va chercher ton mari, cette femme commence à fermer son cœur parce qu'elle se sent quelque part jugée. Elle a peur d'être jugée par Jésus. Et là, elle va rencontrer une situation qui va la dépasser, c'est que Jésus n'est pas en train de la juger. Jésus n'est pas en train de la condamner. Et alors qu'elle va l'attaquer à nouveau, et il est écrit, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, elle va continuer à attaquer Jésus parce qu'elle est blessée, elle a peur. Elle a peur d'ouvrir son cœur. Mais quand elle va découvrir que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu,
quand elle va découvrir que celui qui lui parle, qui est un homme pourtant pour elle religieux, qui devrait et qui aurait dû normalement la juger, ne la juge pas, mais continue de lui proposer cette vie, cette source qui doit jaillir jusque dans la vie éternelle, cette femme est profondément touchée. Parce qu'au lieu de trouver un homme religieux qui va la condamner, qui va la juger, qui va l'accuser, elle trouve un homme qui connaît sa situation, qui sait exactement ce qu'elle vit, qui sait que ce n'est pas le plan de Dieu pour elle, mais qui ne va pas la juger, mais qui va lui proposer son amour. Et Jésus était constamment en train de changer la mentalité des gens en démontrant une puissance qui est beaucoup plus puissante qu'aucune puissance religieuse, plus puissante que la loi, plus puissante que la parole des hommes, une puissance d'amour. Jésus se retrouve un jour à Jéricho. Il voit un homme qui s'appelle Lévi, il est assis au bureau des péages. Et ces gens qui étaient là pour collecter les taxes étaient détestés par les juifs, par les pharisiens, parce qu'ils travaillaient en accord avec les romains. Et Jésus va s'approcher de cet homme Lévi et il va lui dire « Suis-moi ». Cet homme qui était chaque jour dans sa vie méprisé par les gens, qui était détesté par les institutions religieuses, qui était méprisé, insulté, calomnié par les pharisiens, par les hommes de loi, par les hommes qui étaient censés représenter Dieu. Chaque jour, cet homme assis à son travail, en train de collecter les taxes, était méprisé par cette institution religieuse, écrasé par la loi, écrasé par la religion. Et au moment où cet homme, qui est pour lui un homme religieux, suivi par une grande foule, s'approche de lui, il croit, il s'imagine, il pense que ce Jésus va agir de la même façon que les pharisiens, qu'il va le regarder, accusant sa vie, le critiquant et le jugeant d'un seul regard. Mais Jésus lui dit, au lieu de l'accuser, au lieu de condamner, il lui dit, Lévi, suis-moi. La Bible dit que cet homme, il va être tellement dans une grande joie qu'il va faire, non pas un repas, mais un grand festin. Il est tellement heureux, tellement joyeux. Pour lui, c'est tellement incompréhensif, tellement grand, que le Messie, que ce chef, qui est pour lui jusque-là, qui était pour lui jusque-là un chef religieux, puisse entrer dans sa maison. Il est complètement dépassé. J'aurais besoin de toi en fait, Pauline, si tu veux bien. Et là, dans sa maison, la Bible dit qu'il va avoir beaucoup de publicains, d'autres personnes qui étaient à table avec eux, des gens qui étaient mal vus. Merci. Et alors les scribes ont commencé à murmurer et à dire à Jésus, mais comment toi tu peux manger avec ces gens de mauvaise vie? Comment tu peux traîner avec ces gens mauvais? Un autre jour, Jésus entre une nouvelle fois à Jéricho, il traverse la ville. Et là, il voit un homme qui s'appelle Zachée. Zachée, la Bible dit qu'il était de petite taille et à cause de sa petite taille, il est monté dans un arbre pour pouvoir voir Jésus. Et Zachée, lui, il était non seulement un publicain, il était non seulement un péager, mais lui, il était le chef des péagers. Il était le chef des publicains. Et jour après jour, cet homme Zachée, non seulement il était méprisé par tous les juifs, par toutes les institutions religieuses, par tous les gens, non seulement il était détesté, mais en plus il était le chef des détestés. C'était le chef des mal-aimés. Et petit à petit, dans le cœur de Zachée, il a commencé à se construire une carapace. Il a commencé à endurcir son cœur.
Et derrière sa condition sociale, derrière son habit de travail, il faisait chaque jour face au regard des autres. Et il a commencé à vivre dans une prison intérieure. Tellement de gens vivent dans une prison intérieure. Non seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ceux qui s'approchent de lui. Plusieurs personnes qui sont dans l'église et qui vivent dans des prisons émotionnelles. Aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit veut faire, ce n'est pas une grande prédication, mais ce que Dieu veut faire, c'est guérir des cœurs, ici maintenant. À plusieurs personnes parmi vous, vous êtes tellement mal à l'intérieur. Vous aimez Dieu, vous venez à l'église, mais il y a des choses que vous n'avez jamais dites. Vous vivez dans des prisons émotionnelles. Et je prie que maintenant, le Saint-Esprit puisse mettre le doigt dans votre cœur, dans ton cœur, pendant que tu l'ouvres. Toi qui te sens méprisé, mal aimé, toi qui as une mauvaise estime de toi-même, c'est toi que Dieu veut toucher maintenant dans ce premier message. Il veut toucher ton cœur et le plus profond de ton être, et je voudrais te dire que pour toi la puissance de Dieu, la puissance de son amour est disponible dès maintenant. Je sais que le Saint-Esprit veut maintenant guérir des cœurs qui sont brisés. Il veut enlever des choses qui sont à l'intérieur du cœur de plusieurs personnes, des hommes et des femmes qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance, qui ont vécu des choses difficiles avec des hommes dans des relations. Et ça a créé en vous des traumatismes, des blessures. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut non seulement nettoyer les blessures, il ne veut pas seulement les penser, mais il veut guérir profondément. Profondément. Au cœur. Zachée était dans un monde intérieur, dans son âme, extérieurement montrant une certaine face, montrant un certain ami, mais intérieurement, il était complètement dans une sorte d'agonie, une souffrance profonde, intérieure. Et Jésus va dire, Zachée, mais aujourd'hui, moi, je vais venir dans ta maison. Et quand Jésus va aller dans la maison de Zachée, alors, les pharisiens, les hommes religieux vont commencer à critiquer Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie, et voyant cela, tous murmuraient. Et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée a commencé à regarder les hommes. Il a commencé comme à son habitude à baisser la tête. Tellement habitué à être jugé. Tellement habitué à souffrir. Tellement habitué à être celui qu'on n'aime pas. À être celui qu'on ne regarde pas. À être celui, le blessé, la blessée. À souffrir intérieurement. Jésus entre dans sa maison. Mais pendant qu'il voit les pharisiens discuter entre eux, et le critiquer, tout à coup, il baisse son visage et il dit, une fois encore, je suis méprisé. Une fois encore, c'est un homme de plus, un homme religieux de plus, qui va sortir maintenant de ma maison. Une fois encore, il se sent rejeté. Et alors, il va tourner le regard vers Jésus, parce qu'il ne veut pas que Jésus parte de sa maison. Et la Bible dit que Zachée, se tenant devant le Seigneur, va lui dire, « Mais Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui rendre quadruple. » Zachée veut que Jésus reste dans sa maison. Il ne veut pas que Jésus parte de sa maison. Il a trouvé quelqu'un qui l'aime. Il a trouvé quelqu'un qui l'aime pour qui il est. Il a trouvé quelqu'un qui s'est arrêté pour lui. Il a trouvé quelqu'un qui allait au-delà des institutions religieuses, au-delà de ce qui se fait, au-delà de ce qui se pratique. Il a parlé à l'homme monté dans un arbre, un homme religieux qui s'arrête pour parler à un homme qui est dans un arbre. Les hommes religieux ne s'arrêtaient pas pour les gens qui montaient dans les arbres.
Il ne s'arrêtait pas pour les gens de petite taille. Il ne s'arrêtait pas pour les gens qui souffraient. Les hommes religieux allaient dans leur temple et ils étaient là dans leur temple en train de s'adorer eux-mêmes. Une adoration humaine éloignée du cœur de Dieu. Ils étaient là tous les uns et les autres en train de se réjouir d'un Dieu qui s'était formé à leur image. Un Dieu qui correspondait à ce qu'ils étaient, à ce qu'ils croyaient. Ils se sont formés un Dieu qui les acceptait, qui les approuvait, mais ce n'était pas le véritable Dieu, car Dieu est amour. Et alors, quand Zachée a vu les pharisiens commencer à discuter entre eux, il a dit, « Non, Seigneur, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. » À l'intérieur de lui, il a voulu, mais il s'est dit, « Il ne faut pas que Jésus parte. » Il a commencé à dire, « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Jésus ?» Il faut que je lui parle avant qu'il parte. Il faut que je lui parle avant qu'il commence à se lever et qu'il commence à partir avec toute sa horde religieuse, avec tous ses disciples religieux. Il a dit, Jésus, s'il le faut, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et je te dis, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai volé quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. On reprochait à cet homme de voler. On reprochait à cet homme, c'était l'argent le problème dans sa vie, mais il a dit, Jésus, l'argent, je te le donne, s'il te plaît, reste dans ma maison, je veux pas que tu partes. Je veux pas que tu partes, Jésus, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. Et Jésus va dire, mais aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et celui-ci, celui qui était délaissé, celui qui était méprisé, celui qui était rejeté, celui qui était calomnié, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré dans sa maison. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'Église passe à côté. Quand elle ne fait que de chercher des hommes religieux, quand elle ne fait que de chercher une influence religieuse, les pasteurs et les responsables d'Église passent à côté. Lorsqu'ils cherchent des invitations, lorsqu'ils cherchent des honneurs, lorsqu'il cherche une reconnaissance ministérielle, lorsqu'il cherche des applaudissements, lorsqu'il cherche des vues, des fans, des suiveurs, alors que Jésus cherche des pécheurs. Zachée a trouvé quelqu'un qu'il aime. Et de ces pharisiens un jour, qui manifestaient constamment l'état de leur cœur, ils ramènent une femme qu'ils ont prise en flagrant délit d'adultère. Et ils disent, maître, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec elle? Parce que dans la loi que tu prêches, Moïse a dit qu'on doit lapider de telle femme. Et toi alors, qu'est-ce que tu dis? Et les pharisiens savaient que Jésus avait prêché plusieurs fois sur l'adultère. Les pharisiens savaient que plusieurs fois Jésus avait condamné l'adultère. Et alors chacun était là avec leur pierre, prêt à juger. Ils étaient comme beaucoup de croyants aujourd'hui qui ont dans leurs mains leur pierre et ils marchent dans la vie avec leur pierre de fausse sainteté, leur pierre de jugement envers ceux qui les entourent. Les chrétiens marchent avec leur pierre prêts à accuser, à critiquer, à calomnier. Ils sont avec leur pierre et chaque jour ils regardent les pauvres. Ils regardent les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils les jugent et ils les critiquent. Ils ont l'impression d'être meilleurs qu'eux alors que leur cœur est éloigné de celui qui les aime. Ils ont leur pierre de religion, leur pierre de loi et avec leurs belles prières. Ils disent, oh Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme ces gens qui ne te connaissent pas. Moi, le ciel m'est ouvert. Je suis la justice de Dieu. Je sais qui je suis. Mais Dieu cherche celui qui s'agenouille et qui dit comme Zachée, mais Seigneur, j'aimerais tellement que tu entres dans ma maison, mais je n'en suis pas digne. Ils sont prêts à lapider cette femme. Mais Jésus s'abaisse et il écrit sur le sol. Il écrit sur le sol. Je voudrais parler au pasteur aujourd'hui particulièrement. Il est temps qu'on puisse écrire sur le sol, mes frères. Il est temps qu'on puisse s'abaisser.
qu'on puisse commencer à écrire pour les gens pour qui on n'a jamais écrit. Il est temps qu'on s'abaisse et qu'on écrive ce que Dieu dit à leur sujet. Il est temps qu'on puisse parler pour celui qui n'a pas de voix. Il est temps qu'on puisse chercher et parler et voir pour ceux qui ne voient pas et entendre pour ceux qui n'ont pas d'oreille. Il est temps qu'on puisse écrire ce que Dieu dit à leur sujet. Au lieu de critiquer, au lieu de juger, au lieu de faire tout beau, tout bien, il est temps qu'on puisse s'arrêter comme Jésus. S'arrêter pour Zachée, s'arrêter pour la femme adultère. Et salir nos habits avec la saleté de ce monde. Salir et souiller nos habits et souiller nos genoux dans le sol du péché, car il s'est abaissé jusqu'à nous. Et si nous voulons vivre la puissance de Dieu, il faudra s'asseoir, il faudra se mettre à genoux sur le sol sur lequel Jésus est venu. Il faudra enlever nos habits religieux, il faudra enlever nos vestes religieuses et commencer à développer la nature de celui que nous prêchons. Jésus allait dans les rues pour aller chercher ses pécheurs. Jésus n'était pas constamment avec ses disciples, bien qu'il les formait. Il allait avec eux dans les rues. Il allait leur montrer quel était le but de leur formation. Le but de leur formation était de pouvoir s'arrêter sous un arbre de condamnation, un arbre de culpabilité, un arbre de péché, et considérer, observer, s'arrêter pour un homme. Jésus s'abaisse, il écrit sur le sol. Et cette femme sait qu'il est trop tard. Cette femme sait, mais elle est esclave, elle est dominée par le péché. Elle connaît la loi, elle connaît ce qui est juste. Elle sait ce qui est juste dans son cœur. Mais elle a choisi le péché. Elle est devant Jésus-Christ. Et ils interrogent Jésus. Allez, Jésus, que dit la loi ? Voici ce que dit la loi. Mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Toi qui prêches contre l'adultère, toi qui prêches la loi, qu'est-ce que tu dis maintenant ? Jésus dit, mais est-ce que celui qui n'a jamais péché parmi vous lui jette la première pierre ? Je prie que son amour nous remplisse, que son amour nous inonde et que son amour nous transforme, que son amour change nos cœurs et nos pensées et que son amour nous amène à revêtir un vêtement nouveau. Un vêtement nouveau. Un vêtement d'amour. Un vêtement de profondeur. Un vêtement de bonté. Nous cherchons les belles prédications alors que Dieu cherche les cœurs. Alors que Dieu cherche les perdus. Ils partent les uns après les autres. Et cette femme est tremblante, elle pleure. Elle est tremblante et elle pleure, elle est souillée, on lui a arraché ses vêtements. Et Jésus lui dit, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus.
Et Jésus enseigne ses disciples qui sont restés. Il dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Plusieurs aujourd'hui, vous vivez comme cette femme. Vous connaissez la loi de Dieu dans vos cœurs sans que personne ne vous ait dit quoi que ce soit. Vous savez en vous-même que votre vie n'est pas agréable à Dieu. Et ce que Jésus vous dit aujourd'hui, c'est qu'il ne vous condamne pas. Il vous encourage simplement à ne plus pécher, à sortir de votre condition et à laisser la place à Jésus dans votre cœur. Un jour, Jésus, invité par un pharisien, entre dans sa maison. Et voici qu'une femme pécheresse s'approche de lui. Elle a un vase d'un parfum de grand prix parce qu'elle a été aimée et pardonnée par Jésus. Cette femme qui était méprisée, inconsidérée, incomprise, elle dit, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime. Elle donne ce qu'elle a de meilleur et elle vient dans cette maison. Elle répand le parfum sur Jésus-Christ. Et les pharisiens religieux commencent à juger en eux-mêmes. Cette femme, Jésus, et ils disent dans leur cœur, mais si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Mais Jésus savait. Oui, nous le savons. Nous savons qu'elle est une pécheresse. Nous savons que sa vie n'est pas correcte. Nous savons qu'elle vit dans le péché. Nous le savons, mais c'est justement parce que nous le savons. C'est justement parce que nous le voyons. C'est parce que nous voyons que c'est une esclave du péché que nous nous abaissons pour elle. Que nous acceptons sa louange envers Dieu. Je prie, Père, pour les ministres de l'Évangile dans ce lieu. Cet amour, on ne peut pas le comprendre humainement. Saint-Esprit, je t'ai obéi. Et je veux te demander, s'il te plaît, de venir purifier nos cœurs en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Parce que nous sommes en train de construire quelque chose. Et Père, je prie qu'on ne soit pas en train de construire quelque chose qui soit humain. Afin qu'on n'ait pas à rougir lorsqu'on va se présenter devant toi. Je prie qu'on puisse aimer. Qu'on puisse aimer comme toi tu aimes. Qu'on puisse s'arrêter comme toi tu t'es arrêté pour une personne. Je prie, Père, que tu nous apprennes et que tu nous enseignes comment on doit exercer le ministère. Comment on doit vivre. Comment on doit gérer nos journées. Comment on doit méditer ta parole. Comment on doit prier pour les gens. Parce qu'à la fois, Père, tu sais, les gens recherchent. Ils sont comme ce peuple qui était derrière toi, Jésus. Et il y a des gens qui viennent pour leur propre plaisir, mais il y a aussi des gens qui cherchent vraiment ton cœur. Et je prie que tu nous aides à les déceler, à les aimer, à être pour eux une source de bénédiction, à les amener toujours plus proche de toi, à être pour eux un encouragement. Merveilleux Jésus-Christ. Père, je veux te demander, s'il te plaît, non seulement les serviteurs dans cette maison, mais les serviteurs dans ce pays, de nous sanctifier et d'enlever tout ce qui n'est pas de toi, tout vêtement religieux, toute chose qu'on a mise sur nous et qui ne sert à rien,
toute chose que tu ne pourras pas agréer et qui sera brûlée par le feu. Tout ce qui est du foin, Seigneur, tout ce qui est du chaume, viens l'enlever aujourd'hui. S'il te plaît. Père, je veux prier également pour ceux qui parmi nous ont le cœur brisé. Si vous êtes là dans ce lieu, tu t'es reconnu dans cette femme adultère, tu t'es reconnu dans Zaché, tu t'es reconnu dans cet homme péagé qu'on a méprisé et tu as besoin de guérison. Je voudrais te demander, s'il te plaît, de te lever là où tu es. Et le Saint-Esprit va faire une œuvre admirable dans ton cœur maintenant. Par son amour, il va te toucher, tu vas te mettre à pleurer maintenant, saisi par sa gloire. Pendant que tu ouvres ton cœur, alors que tu te lèves, plusieurs personnes qui se sont levées, vous avez l'habitude de vous lever. Mais il y a d'autres personnes, vous êtes assis. Et vous avez tellement endurci votre cœur que peut-être vous ne voyez pas les souffrances. Vous les avez cachées par un orgueil, ou vous les avez cachées par une fierté ou par toutes sortes de choses. Mais Dieu veut guérir ce qui est en vous. Vous vous êtes dit, mais c'est pas grave, ça fait partie de ma vie. Je suis passé par-dessus, mais en réalité, votre cœur est brisé encore. Levez-vous. Levez-vous. Là où tu es, ouvre ton cœur. Plusieurs, vous avez été abusés sexuellement. Il y a une fierté, il y a quelque chose, une force humaine, de caractère, vous êtes passé par-dessus, mais à l'intérieur, vous êtes encore brisé. Plusieurs, vous avez une estime tellement mauvaise de vous. Vous vous sentez ridicule. Vous vous sentez inférieur aux autres. Ça vient pas de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pour vous que Jésus m'a parlé. Aujourd'hui, c'est votre cœur que Jésus va guérir. Saint-Esprit, je te demande, s'il te plaît, de guérir maintenant ces cœurs. Apporte une guérison maintenant, glorieux Jésus-Christ, dans ces cœurs qui sont brisés et qui souffrent. Là où tu es, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et demande au Seigneur maintenant de guérir ce cœur brisé. L'Esprit de Jésus souffre. Guérir. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher par Jésus. Laisse-toi toucher par Jésus. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé pour te sauver. Non seulement te donner la vie éternelle, mais te sauver de ces souffrances, te sauver de cette misère. Il y en a plusieurs, vous résistez encore parce que vous êtes responsable dans l'église et vous ne voulez pas vous lever. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la guérison. Lève-toi. Et reçois la guérison dans ton cœur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton cœur est guéri. Maintenant même, par l'Esprit de Dieu, je viens déclarer que l'onction brise le joug qui pesait sur toi. Les liens sont maintenant brisés dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Ces esprits qui te condamnaient sont maintenant anéantis. Dieu, maintenant, ferme leur bouche. Toute influence satanique, maintenant, cesse. Au nom de Jésus, tu es guéri dans ton cœur par le Saint-Esprit. Maintenant même, reçois la délivrance. Reçois la libération là où tu te trouves. Sois guéri dans ton mal, maintenant. Père, je veux aussi prier pour l'Église. Toute ta parole, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as écrit, se résume par ces deux paroles. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Père, c'est pourquoi je prie pour cette Église. Je prie pour mes frères, mes sœurs, qu'ils puissent aimer leur prochain. Seigneur, tu sais que j'ai essayé par moi-même. Tu sais qu'on a essayé, qu'on n'a pas réussi. Tu sais qu'on est limité dans nos faiblesses. Mais ton amour en nous est capable de miraculeux. Ton amour en nous est capable d'aimer. Ton amour en nous est capable de guérir. Tu nous donnes ta parole et cette parole vient soutenir, consoler, fortifier, guérir, apaiser, soulager. Elle vient enlever le joug, elle vient ôter le joug et la condamnation. Glorieux Jésus-Christ, merci. Je prie pour une révélation de ton amour, Père. Car j'ai obéi à ta parole. Je crois que, alors que cette parole est relâchée, tu vas nous amener dans une révélation beaucoup plus profonde de ton amour. Et alors que nous marchons dans les rues, alors que nous marchons dans les villes et dans les villages, comme tu marchais, Jésus, nous commençons à nous arrêter pour les gens qui nous entourent. Nous nous arrêtons pour les Zachée, nous nous arrêtons pour les Lévis, certains qui ont soif, certains qui sont là dans leur vie quotidienne, envers qui tu veux parler, à qui tu veux parler, d'autres qu'on amène vers nous pour juger, pour critiquer, mais nous ne les critiquerons pas, nous ne les jugerons pas, nous les aimerons. Avec ton amour, Père, je proclame la puissance de ton amour qui dépasse toute puissance humaine, qui dépasse la puissance de la foi, qui dépasse la puissance de la connaissance, la puissance des dons spirituels. Je déclare la puissance de ton amour dans cette Église. Christ, refuge pour tous. Église, sois remplie de l'amour de Jésus-Christ. Christ, refuge pour tous, déborde encore en amour. Que de toi, que de ton cœur sorte un amour comme une rivière qui va commencer à couler, qui va commencer à couler dans les rues, qui va commencer à couler dans cette municipalité, qui va commencer à couler dans les bâtiments, dans les maisons, ça va tellement couler, 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 couler. Christ, refuge pour tous, non seulement tu seras un refuge, mais tu seras aussi un sol qui va s'étendre, un territoire qui va s'étendre pour recevoir les larmes de ceux qui souffrent. Et lorsque les larmes couleront, jaillira de toi la gloire, jaillira de toi l'amour pour guérir celui qui pleure, pour guérir celui qui souffre. Si aujourd'hui tu veux répondre à cet appel, je vais t'encourager à te lever maintenant, là où tu te trouves. Si vraiment dans ton cœur, ça résonne en toi et tu dis, en réponse à cette prédication, plus qu'une prédication, au message de Dieu, Seigneur, dans ma vie, j'aimerais vraiment tellement pouvoir aimer les gens comme toi, tu les aimes. Que tu te lèves ou pas, moi ça change rien, mais par contre si dans ton cœur ça résonne, et vraiment dans ton cœur tu désires, si tu as ce désir de pouvoir aimer les gens comme Jésus aime, alors je vais prier qu'à partir de maintenant, dans ta vie, alors que tu te lèves, tu reçoives une révélation, dans les prochains jours, une révélation qui va t'amener à aimer comme tu n'as jamais aimé les autres qui t'entourent. Une révélation de l'amour de Jésus, il va te baptiser de son amour afin que tu puisses toi aussi aimer. Aimer comme il a aimé.
Père, je prie pour eux. Je prie pour qu'ils puissent recevoir une révélation de ton amour. Parce que nous en avons besoin. Et nous ne pouvons pas aimer comme tu aimes sans que ton esprit en nous puisse le faire. Je prie, Père, que de ces cœurs sortent des stratégies, des pensées, des idées qui amènent à aimer. Que ce soit pour écrire sur le sol, que ce soit pour lever les yeux dans l'arbre, que ce soit pour dire « suis-moi », que ce soit pour entrer dans la maison d'un homme, que ce soit pour justifier, pardonner ou couvrir les fautes, que ce soit pour faire miséricorde ou pour manifester toutes sortes de bontés, je prie que les fruits abondent, Seigneur, plus que jamais auparavant. Père, tu sais que je les aime, ces frères et sœurs. Tu sais que j'aime cette maison spirituelle et qu'elle est bénie. Je sais par le Saint-Esprit que c'est une œuvre de Dieu. Je sais, Père, qu'il y a des frères et des sœurs qui t'aiment vraiment dans cette maison et qui travaillent de tout leur cœur, conformément aux enseignements qui sont donnés par les apôtres, les prophètes et les ministres de cette maison. Et Père, ma prière pour eux, c'est que ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils ont reçu dans cette maison jusqu'ici, ils puissent ne pas devenir obèses à force de recevoir sans donner, mais que tu leur donnes à partir d'aujourd'hui une compréhension complètement nouvelle de ce qu'ils doivent faire avec cette connaissance. Et qu'ils puissent commencer non pas seulement à te voir Jésus dans le temple qui enseigne, mais qu'ils puissent commencer à considérer Jésus qui va dans les rues pour aimer. Qu'ils puissent commencer à considérer Jésus qui va dans les rues pour aimer, faire du bien, guérir, consoler, partager le pain, donner à ceux qui n'ont pas. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre qui est déjà accomplie à partir de cette maison spirituelle. Mais je prie que ça augmente. Je prie que ça aille, Seigneur, de l'avant. Je prie que ça grandisse encore et encore et encore pour briser les cœurs endurcis, pour faire jaillir de la gloire. Père, je te remercie pour ton amour. Je prie pour les serviteurs et les servantes de cette maison, que ta présence les remplisse et que ta présence, Seigneur, les amène à porter du fruit. Je te glorifie pour chacun d'eux. Seigneur, merci pour Pauline, merci pour sa vie. Tu sais combien j'aime, Seigneur, combien j'aime être dans ce lieu, l'entendre jouer. Tu as déposé sur elle une grâce particulière. Et je te glorifie parce qu'elle est dans tes bras, Seigneur, protégée, comme un instrument de paix et de bénédiction. Tu prends les choses faibles de ce monde pour confondre les puissantes. Et merci pour elle, Seigneur. Merci pour Audrey. Merci, Seigneur, pour telles et telles qui sont là dans ce lieu, les servantes de Dieu dans cette maison. Père, je prie qu'elles ne soient pas comme beaucoup dans ce monde qui parlent beaucoup et qui critiquent et qui méprisent et qui font du mal, mais que de leurs blessures, Seigneur, toi qui as été blessé, qui ne rendais pas injure pour injure, qu'elles puissent, au-delà de leur propre capacité, aimer, soutenir et faire du bien. Père, je prie pour les hommes serviteurs de Dieu qui puissent ne pas endurcir leur cœur, qui puissent ne pas se tromper de combat, mais qui puissent aimer comme ils n'ont jamais aimé jusqu'ici. Père, je prie que tu les baptises dans ton amour. Et je crois, Père, que dans les prochains jours, plusieurs vont expérimenter un toucher surnaturel. Je le prophétise et je le déclare de ta part, Seigneur. Plusieurs vont pleurer, immergés par une révélation nouvelle de l'amour de Dieu. Et pour terminer, je veux vous encourager vraiment, frères et sœurs, à vous ouvrir à ça. Parce que le ministère n'est pas humain, il est surnaturel. Et avec la parole de Dieu, il a une puissance surnaturelle. Que la puissance de l'amour de Dieu vienne jaillir dans votre esprit alors que vous allez passer du temps à prier dans votre maison. Ce sera seul à seul avec lui et il va vous toucher profondément. Et vous allez commencer à vivre un ministère comme vous n'avez jamais vécu. Une vie chrétienne comme vous n'avez jamais vécu. Vous allez commencer à expérimenter l'aventure, ce qu'est l'aventure de Dieu. Vivre avec lui, expérimenter son amour et devenir une source d'amour, de gloire et de bénédiction.